Le château de la Rivière est une très grande propriété. Nous sommes la plus grande propriété de l'appellation Fronsac. On est situé au cœur du Libournais, à côté des appellations de Saint-Émilion et de Pomerol, avec 65 hectares de vignes, l'ensemble de la propriété faisant 100 hectares. Le château de la Rivière est une propriété historique, puisque on retrouve trace de construction sur le site même du château de la Rivière dès l'époque de Charlemagne, en 780. Avec une tour de guet qui a été construite, bien évidemment détruite depuis très très longtemps. Aujourd'hui, le château tel qu'il apparaît actuellement a été construit au XVIe siècle, fini d'achever en 1577, construit à l'époque par le maire de Bordeaux qui s'appelait Gaston de Lille, qui était le seigneur vraiment de la rivière. Aujourd'hui, on jouit d'une propriété absolument magnifique, et aussi riche de caves souterraines exceptionnelles qui s'étendent sur 8 hectares, qui s'allongent sur 25 km de galeries et dans lesquelles nous conservons nos bouteilles. On conserve aujourd'hui à peu près 500 000 bouteilles en stock qui vieillissent tranquillement à température constante, 13 degrés, pour pouvoir les servir ensuite à nos clients conservés idéalement. Dans ces caves, on élève aussi à peu près un tiers de notre vin en barrique. Les deux tiers restantes sont élevés dans des chais, on va dire, plus classiques, plus modernes. Produisons environ 350 000 bouteilles de vin rouge, avec un premier vin, le Château de la Rivière, qui est l'emblème de notre propriété, c'est notre fer de lance, élevé en barrique pendant un an. Donc ça donne des vins puissants, très riches et qui ont une capacité de vieillissement importante. Le Château de la Rivière est aussi une propriété tournée vers le no-tourisme de manière très importante, puisque nous sommes ouverts toute l'année aux touristes. Nous avons du personnel dédié aux visites, à l'hébergement, puisque nous avons 5 chambres d'hôtes. Nous accueillons bien sûr tous les gens de passage. Nous avons une offre complète et nous nous adaptons évidemment toujours à la demande de nos clients qui sont toujours des demandes différentes les unes des autres.